Ah, là là, oui. Ah ben merci, merci pour ce beau costume, hein, merci, Ah, c'est... il vous va bien? Ah, ouais, très... Regardez, très... j'ai mis les mêmes couleurs que vous. Ah oui. Je me suis acheté aussi quelque chose. Oh, Ah bah, oui, ben, décidément, ah ben voilà, ben oui, il y a ben... des retouches à faire, Ah ben oh oui, là ben, je ne vous sais pas dire, hein, je Mais vous sais pas regardez dire. La qualité du collant. C'est moi qui l'ai tricoté, mes petits doigts. Mais vous n'avez pas le pourpoint dans l'œil, vous voyez, c'est pas... Enfin, c'est bien quand même, hein, c'est un beau costume, hein, c'est bien. Hein. Non, mais c'est bien, mais non, mais c'est bien, c'est un beau costume. Je le mettrai pour sortir au théâtre. Ah, c'est une bonne nouvelle. Bon, alors, on va reprendre quand même notre conférence. Hein. Vous avez bien mangé, ça va? C'est bon? Le sourire ouais. est bon? Ouais. Personne... Et l'oseille? Ouais. Personne ne s'est coincé une arête dans la gorge? Non. Non, c'est bon. Ben, c'est bien. Bravo, bravo. Voilà, enchaînez! Eh ben oui, ben une seconde, on a le temps quand même, on a le temps. Ben, je sais pas, mais c'est dingue. Une conférence, ça se déguste. Bon, attention à ne pas vous endormir pendant la digestion, hein, parce que le saumon, c'est toujours un petit peu compliqué. Hein. Alors, qu'est-ce qu'une valse? Encore! Une danse à trois temps! On l'a déjà vu! Voilà! Le monsieur te dit, c'est ça! Un truc à trois temps, à huit mouvements, à 110! Oui, j'entends bien! Et telle est la question métaphysique de notre soirée. To be or not to be? That's the question! Yes! Oh, Shakespeare, j'adore! Roméo et Juliette. Oui. Les sons d'une nuit d'été. Oui, j'adore. Enfin, je pense que le mieux serait que vous me donniez un petit exemple de ce que vous connaissez dans les valses. Ah oui, mais même moi les Strauss, bon, d'accord, oui. Les Strauss, c'est trop. Il n'y a pas que les Strauss. Eh bien, justement. Il y a du plus récent que les Strauss. Ah voilà, bah, quand je pensais que la valse c'était plus récent. Moi, je connais des valses. Ah, bah non. Il y en a même une que je connais, elle doit être de 1903. Vous êtes sûr, ça va un peu avant? Moi, je sais pas, mais vous la connaissez aussi. Mais oui. Allez, vous allez chanter avec nous, hein? Chanté pour la première fois par un artiste que tout le monde connaît ici ce soir. Encore une question de culture générale. Oui, ah, oui. Alors attention, soyez attentifs, vous le connaissez tous ici. Il a débuté aux Folies Bergères dans le Music Hall. Jean Gabin, oui. Elle est où la dame? Qui a dit Jean Gabin? Qui a dit Jean Gabin? C'est une dame, je sais. Ah, bravo. Oh, madame. Oh là 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 là, quelle culture générale! Oh, c'est magnifique! Hein, c'est magnifique. On n'a pas toujours la chance! On applaudit la dame! Oh, bravo! Bravo! On a un public de connaisseurs ce soir! Hein, oui, et alors qu'est-ce qu'il chantait? Eh bien, il chantait, je vais vous dire. Il chantait une chanson pour un film. Il chantait la chanson que vous allez nous chanter.
Voilà. Quand on s'en est au bord de l'eau, qu'est-ce que nous, quand tout est beau, aller au loin nous semble une horizon. On a le cœur plein de chansons, l'oreille pleure, nous met en mer, et le bonheur sous les rochers, joyeux et pleine de la semaine, tout est noyé dans le nuit, dans le verre. Un seul dimanche au bord de l'eau, on décolle des petits oiseaux, suffit pour que tous les jours semblent bons, qu'on nous donne l'eau de l'eau. Bravo! Bien! Vous voyez, vous avez quand même du public connaisseur. Mais oui, bah oui, bah je vous le fais pas dire, mais il y en a une autre, il y en a une autre. Ah oh oui, moi j'en connais tout plein, moi. Ah bah oui, bah oui. Moi je connais, voilà. La romance. La romance de Paris. La romance de Paris, vous la connaissez aussi? Thank you.
Exceptionnel. Excusez-moi. Bon, bah, allez-y. Vous vous différenciez, là. Votre conférence, elle est très didactique. Alors, elle est d'un Vous avez le sérieux d'un instituteur. Oui. L'humour d'un académicien. Alors, le look. Je vous dis pas, le look, c'est. Mais quoi, qu'est-ce qu'il a, mon look? Comment dire? Très bien, ce. C'est un look. Oui. Magnifique. Oui. J'hésite entre. Poule Tabille et Tintin. Ah, Tintin, c'est pas mal, hein. Oui, je sais pas si je dois le prendre comme un compliment, hein. Vous voulez? Hein? Oui. Mais non, mais on peut revenir à la conférence. La base, il faut revenir à l'essentiel. Oui, oui. La base, c'est quoi? C'est la fête! Oui, oui. C'est le vin! Oui, c'est le vin, oui. Et le vin! C'est le vin! Moi, j'aime bien les. Oui, oh, moi aussi, vous avez parlé. Ah, et la musique! Musique, allez! Musique, maestro! Quoi de plus joyeux, quoi de plus rigolo, de plus merveilleux qu'un petit piccolo? Le jus du tonneau fait l'homme avantageux, tandis que l'eau le rend ombrageux. Si léger que comme un moineau, on se sent voltigé. Le flacon avalé tout soudain tourne rond et l'on voit se doubler les jolis tourangons. C'est pourquoi depuis toujours dans mon cœur j'ai trois. La femme et la dame, voilà mes droits, mon bagnon. Je suis heureux quand je m'attarde et je ris comme je les grognons. Après un doigt de la fumeur, un doigt de course et fameux, amis chantons. Vous savez, ah non, pas toutes. Si, toutes. Asseyez-vous, je vous dis. Oh, ce vin est vraiment merveilleux. J'ai quelque chose à vous dire. Ah bon? Ouais. Ah. Et ta bonne ange, n'est-ce pas ton ange? Ton cœur, ton origine, Oh là là.
tout à l'heure, on a parlé des Strauss, on en a oublié la moitié. Ah, voilà, parce qu'à chaque fois, c'est pareil. Si je ne surveille pas, plus ça va près de moi, et plus elle en oublie. Résultat, elle a toujours un trou au même endroit. Hein? Heureusement, je suis là. Ne vous inquiétez pas. Mais qu'est-ce qu'il dit? Oui, non, bon. Revenons un peu au sujet qui nous préoccupe. Les Strauss. Il y a Johann, le père, le fondateur de la dynastie, puis son fils. Et le Saint-Esprit. Son fils, qui n'est pas du tout, voilà, que l'on appelle aujourd'hui Johann Strauss II. Tout. Tout, voilà. Son père ne voulait pas qu'il fasse de la musique. Mais il en a fait en cachette. Et il se trouve qu'il avait du talent. C'est pas bien, mon cachet. Alors, mais non, c'est pas bien, mais si, c'est bien parce que c'est qu'il avait beaucoup de talent et c'est devenu malheureusement un petit peu le principal concurrent de son père. Ah. Et oui, donc ça a créé des conflits, quoi, voyez. Des conflits. Et oui, des conflits, c'est pas. Ouais. Et donc c'est on l'appelle le roi de la basse. Ah oui, il a supplanté le père. Voilà. Voilà, il est devenu plus célèbre. Alors. Voilà, et du coup, le père n'était pas content du tout, du tout, mais c'est pas grave, il l'a fait quand même. Hein. Oui, il l'a fait quand même. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'il a écrit, ce Strauss, tout? Eh bien, une chanson sur un fleuve très connu. Un fleuve, la Loire? Non, pas la Loire, non, ça se passe pas en France. Le Rhin? Non. La Troïka? Non. Mais non, le Danube. Ah, le Danube bleu. Musique. Danube bleu, plou 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 plou, en flot merveilleux, plou 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 plou, femme d'un peu court, plou plou. Ah ouais, j'ai pas de temps.
chez vous parce que je vais faire vieillir. C'est bon, je suis dans la boîte. Bon, je suis dans la boîte. Bon, bah, attendez, je vais en faire une avec le conférencier. Venez, 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 venez. Venez. Ah, non, merci. Ah, mais, merci. Non, merci. Non, mais c'est bien. C'est mais, bien. Ah, ah oui, c'est bien, c'est bien. Non, non, mais. Non, mais finissons joyeusement. Finissons joyeusement. Finissons joyeusement. Oui. Voilà. Oui. Vous voyez, on pourrait peut-être finir sur. C'est comme vous voulez. Mais oui, non, mais on pourrait finir par exemple, on pourrait reprendre le Danube bleu, par mais exemple. Mais non, 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 j'en ai marre du Danube, moi. Les Strauss, les Strauss, les Strauss. Ah, bah tiens, ça c'est joli. Je suis un peu plus
Bon, bah alors, salut tout le monde.